Et tu vous mets des heures à suivre pour cette saison en Ligue 1. Il s'agit du défenseur prêté par Flamengo à Montpellier, joueur international des moins 20 ans avec le Brésil. Il est censé être prendre le relais de Vitorino Hilton avec Mamadou Sakho. Les autres défenseurs centrales sont Christophe Roux, de 19 ans, révélé avec Nancy la saison passée, qui a signé un contrat pro avec Lens pour succéder à Loïc Badé, parti à Rennes. Il évolue dans l'axe. Il y a aussi Issa Kabouré de 20 ans avec Troyes, où il est passé prêté par Manchester City. Il s'agit d'un piston droit international burkinabé qui adore se projeter du côté des milieux offensifs. Il faudra surveiller le Belge Monégas, Eyot Matajo, qui est barré par Tchouaméni Fofana et Jean-Lucas, mais l'entraîneur Niko Kovac compte sur lui. Du côté de Metz, il s'agit de Félix Papenmatasar, grand espoir entrevu l'année dernière. Et de Issouf Sissoko de 19 ans de Bordeaux, et le français Lucas Gouma-Douat de Saint-Étienne. Ils sont à un stade moins avancé de Matassar de Metz, mais ils devraient avoir l'opportunité de progresser. Enfin, du côté de Rémy, Yeshé Koulou de 17 ans, qui va écœur pour succéder à Nzonzi et Kamavinga. Chez les milieux offensifs, il y a Ryan Cherki de l'OL, Adil Aouchiche de Saint-Étienne. Quant à Ilan Kebal, il connaît une ascension puissante, mais elle pourrait s'accélérer cette année avec Reims. Il était très en vue l'année dernière en Ligue 2 à Dunkerque. Il aura du temps de jeu suite à la blessure de Zenelli. Il y a aussi Cora de la Fuente qui a quitté Barcelone pour l'OM. Il peut évoluer à gauche et à droite, mais à gauche, c'est sa position de prédilection. Et chez les attaquants, il y a Arnaud Calimendo, qui est revenu au PSG pour s'imposer. Il avait été prêté à Lens l'année dernière. Enfin, il y a Kamal Eden Souleymana de 19 ans de Rennes, qui a fait forte impression avec Nîmes, Nord-Jaillant dans Norvège. Quant à Mohamed Aïcho, c'est un Angevin, et au Montpellier, et ils ont déjà pointé le bout de leur nez l'année dernière. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.